Salut à tous et bienvenue sur Pasta Rocket. Je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode sur RimWorld. Après un second épisode assez mythique, mi-raisin, puisque s'il est vrai qu'on a bien avancé dans l'aménagement de notre petit village dans la montagne avec de nouvelles salles, de nouvelles structures et équipements, il est vrai que le bonheur de nos personnages est vraiment très très faible. Donc il va falloir qu'on se focalise un petit peu là-dessus sur cet épisode. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va habiller notre ami d'une certaine façon. Alors, comment on pourrait l'habiller? Je n'avais pas vu qu'elle était à poil. Est-ce qu'il y a des vêtements quelque part à récupérer? Non, pas ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un lapin. Bon, on va aller récupérer sur les morts, tout simplement. On va mettre aussi, vous avez vu peut-être rapidement... qu'il demande à avoir un peu plus de chaleur. Et on va anticiper, même si les chambres sont pour l'instant dans une température encore assez idéale pour eux, on va mettre les radiateurs. Ok. Donc là, est-ce qu'elle a déshabillé? Ouais, elle a déshabillé. Donc forcer à porter guenille. Je vais peut-être plutôt regarder ce que propose l'autre cadavre. Alors, attendez. Alors d'ailleurs aussi je vais aussi remettre un petit peu de l'ordre dans le planning et dans les priorités. Donc Don, je voudrais que tu arrêtes complètement le transport et que tu focalises sur la recherche s'il te plaît. Casey, tu vas aller donc récupérer, tu es à poil? Est-ce que tu es à poil? On regarde déjà. Parka en tissu, pantalon, synthé. Non, tu n'es pas à poil, tu exagères. On va te mettre quelque chose quand même. On va essayer... de te faire aller récupérer, déshabiller ce colon. On va aussi tout de suite, puisque c'est demandé, dans les besoins, je rappelle, ici, manger des pâtes nutritives, donc ça, on verra ça plus tard. Se sent mal, vêtements en lambeaux, vient de voir un corps pourri, pas très joyeux, a dormi dans le froid. Donc, a dormi dans le froid, il faut quand même que je fasse les radiateurs. Et il faut que je fasse les tombes. Donc, tout à l'heure, on avait vu qu'elle a croisé un corps... qui l'a gêné, donc on va faire des tombes. Et les tombes, c'est dans divers. On va les mettre assez éloignés ici. Donc là, on peut pas. Hop, hop. Donc on va demander à Madeline, elle est partie où? Elle est partie peut-être. Où est-elle, Madeline? Hop, ici même. Récupère du composant, on va la laisser faire. Et on va demander, tant pis, à Cassie. Déjà d'aller récupérer des vêtements un peu plus chauds. Kimi, tu es vraiment problématique puisque tu ne sers presque à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre en fermier. Je crois que tu es capable d'être fermier. Donc tu vas être fermier. Je vais t'enlever Cassie de la ferme. Je vais te mettre plutôt dans le transport, cuisine, ouais, dresseur. Et puis c'est tout, puis on va voir déjà ce que ça donne. Allez, on va accélérer un petit peu le temps. Donc Kimi s'occupe, je pense que c'est mieux de la mettre vraiment en tant que... Elle a récupéré les vêtements? Ah non, c'est bon. Hop. On va essayer de voir si elle peut, si elle veut bien mettre ce pantalon. Ah, c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Non, c'est bon. Forcé à prendre le pantalon, voilà. Peut-être que ça va améliorer un petit peu son quotidien. Regardons ça. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Hop, en constructeur, qui j'ai? Constructeur. Chasseur, réparateur, constructeur. Donc on va te mettre plutôt en constructeur, voilà. On va laisser la mine. Je pense que j'ai affecté comme il se devait les tâches. Ça va être un peu mieux. Donc là, c'est tout bon. Qu'est-ce que on doit faire? Là, il n'y a pas d'électricité. C'est normal puisque il me manque encore ces deux panneaux solaires qui vont être vraiment salutaires pour mon énergie. On va créer des batteries en plus, ici et ici, avec bien sûr le fil électrique qui va bien. Là c'est bon, il faudrait que je réaffecte aussi des armes, parce que je crois que certains n'ont pas d'armes. Ce qui est assez
embêtant. Ok, bon, ça passe pour le moment. Le cadavre est en train de pourrir. Donc Cassie, c'est toi qui dois faire ça. Non. On apporte un. On va prendre Madeline. On va lui dire. N'est pas constructeur, d'accord. Donc c'est bien Cassie. Donc on va laisser faire son petit joujou de loisir. Ouais, regardez, d'ailleurs, on va faire un point sur le bonheur. C'est quand même elle qui est mon colon de test. À voir si. Si vraiment. Elle est en mauvaise. Mauvaise humeur. Celle la pire, je crois, c'est celle qui est plus susceptible de péter un câble. Donc, on vérifie. Elle est en train de faire ce qu'il faut pour créer l'énergie qui nous manque. La recherche avance. On va pouvoir faire le point un petit peu sur ce qui en est au niveau des minerais. Donc, les minerais, il y en a là. Il y a du plastacier, il y a de l'acier. Il y a de l'acier ici. On a aussi encore de l'acier là. On a des composants ici. On ne va pas le faire tout de suite. Je voudrais bien que notre mineur termine ces chambres-là. Voilà. Comme ceci. Alors, celle-là n'est pas faite. Si, elle est faite aussi. Donc, tout est bon. On va faire des portes. Équipement. Non, structure plutôt. Porte. Ça va nous permettre d'avoir d'autres chambres de rab au cas où d'autres personnes rejoignent notre colonie. Et il m'en faudrait bien pour spécialiser un peu plus mes personnages. Donc, structure. Porte. Tac. Construction identique. D'accord. C'est en train d'être fait. Pareil. On va faire l'ensemble des éléments qui se doit dans une chambre. Donc là, on va mettre. Non, pas. Je vais mettre ça. Hop. Je vais même. Je pense. Les agrandir directement les chambres. Parce que je mettrai d'autres éléments dedans. Plus tard. Donc on va faire. Comme ceci. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc ça sera fait. La recherche avance, on est à moitié. Là, va falloir que j'augmente un petit peu la température. C'est indoor 3 degrés. On va augmenter un petit peu. C'est là que je comprends pas trop comment gérer la température. Je pense que c'est lié peut-être à ma structure autour, puisque la température est de 1 degré, alors que mon chauffage est à 51. Peut-être qu'il faut que j'en fasse un deuxième, plutôt. Ça, c'est une question qui est un peu plus poussée. C'est-à-dire que, est-ce que si je le pousse à une température beaucoup plus grande, est-ce que ça va provoquer plus facilement son explosion? Est-ce qu'il faut que je mette un autre radiateur, etc. Enfin, il y a plein de choses à se poser. Ah, un petit filon d'acier. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. J'apprécie. On va mettre des petits pots de fleurs aussi. Ce qui me permettra, encore une fois, dans les équipements, voilà, d'améliorer un peu le quotidien de nos personnages. Voilà. On va faire un lit médical en attendant que celui-ci soit... qui soit attribué à quelqu'un, tout simplement. Donc, on se rend sur le raid. Il y a un raid, c'est avec des personnages qui ont des armes à distance. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser que il faut que je réattribue. Alors, à Cassie, je crois qu'elle en a encore une. Madeline en a une. Don, tu en as une. Kimi, c'est peut-être bien Kimi qui a plus du tout d'armes. Donc, on va y en... N'attribuer une. Parfait. Donc tout ça, c'est bon. On a l'électricité comme il se doit. On est un peu mieux. C'est pas encore folichon. Mais ça devrait se maintenir assez bien. Alors, le raid va se dérouler sûrement de nuit. Là, j'ai encore quelque chose à détruire. Un morceau de vaisseau, donc il s'approche, ça va être la nuit.
Donc mes colons vont aller dormir. Voilà, ils s'approchent. On y va. Donc on va se mettre aux alentours des tourelles, tout simplement. Kimi, tu peux venir aussi. Ça devrait le faire. Voilà, tu tires. Vous pouvez tirer un peu mieux. Très bien. C'est bon les enfants, c'est géré, on peut y aller. Vous pouvez aller vous coucher. On s'en sort plutôt bien, très bien même pour le moment. Là, on va essayer de virer ça. C'est à peu près propre partout, dans toutes les salles. Ça aussi, c'est agréable. Et donc, on est dans un village qui, ma foi, tourne plutôt mieux que dans les trois épisodes que je vous avais proposés avant. Alors, on fait un petit point sur le bonheur. Le bonheur, d'abord. Voir un petit peu... Toujours la beauté. Vêtements usés, à manger des pâtes nutritives. Là, ça, c'est un des aspects qui leur plaît le moins. Souffre légèrement. Cet endroit n'est pas plaisant à regarder. Bon, les fleurs devraient faire quelque chose. Environnement étroit. Ah, j'ai déjà agrandi. Pessimiste, petite faim. Ok. Est-ce que ces plantes grandissent à zéro? Pourquoi ne grandissent-elles pas? Qu'est-ce qu'il leur faut pour qu'elles soient plus grandes? Enfin, qu'elles grandissent normalement, on va dire. Est-ce que c'est pas le chauffage, encore une fois, qui me fait défaut? 59% grosse hérite, 0%. Qu'est-ce qui fait que... je crois que j'aurais dû, dès le départ, mettre deux radiateurs. Tant pis. On va augmenter à fond ce chauffage-là. Ce qui fait que j'ai une température à l'intérieur de moins 2. Vous voyez que là, c'est un gros problème quand même. J'ai pas mis de plante là. On va remédier ça de suite. Ce qu'on va faire aussi... j'ai le fauteuil, il faut du tissu, je crois. Ouais, j'ai pas de tissu. Ça va être compliqué. Bon, il faudrait de la main-d'œuvre. Il faudrait un peu plus de main-d'œuvre, ça serait bien que ça arrive. Ce que je peux faire en attendant, c'est commencer à construire cette salle qui est donc l'endroit où je stockerai mes cultures hydroponiques qui vont arriver incessamment sous peu. La température à l'intérieur est de combien? 21, c'est cool. Est-ce que je dois en mettre partout? C'est ça ma question. Là, elle est de 27. Donc là, c'est normal. Elle est de moins 10, on va dire. Ici, 6 degrés. Ok. Je comprends toujours pas, par contre, aussi, pourquoi... alors, c'est qui s'occupe de la cuisine? Donc, c'est Cassie. Pourquoi personne ne veut cuisiner? Ça me perturbe, je vous avoue. Mais bon. On verra ça. Parce que j'ai pas autre chose que des patates. Il faudrait plus de culture, je le sais. Ça va arriver. Alors, recherche terminée. Ok, écran de recherche. On va faire le travail de la pierre. Je voudrais bien le faire. Mais je vais plutôt faire les lumières colorées pour un peu plus de bonheur. Parce que travail de la pierre, en même temps, ça me permettra de faire des structures qui des structures défensives. Et ça va être important à un moment donné. Alors j'ai plus de bois, va falloir couper ce bois là par exemple pour... non pas miner, couper le bois. Est-ce que j'ai toujours un bûcheron? Garde forestier, j'en ai plus. Donc on va te mettre Madeleine. Pour l'instant la mine tu n'as plus rien à faire. Au niveau des ressources on a encore beaucoup d'argent. Enfin d'argent d'acier plutôt. Et ça c'est cool. Pas d'électricité, ça c'est moins bien. Vague de froid, grippe. Faudrait aussi que je fasse ce qui me permet de faire, voilà, c'est ça, d'utiliser les geysers en tant qu'énergie. Mais ça, c'est pas de suite. Hein. Alors, ok. On va pouvoir commencer à créer des jardins hydroponiques. Est-ce que j'ai des composants? J'ai pas de composants. Et va il m'en falloir des composants.
Tac, on va faire comme ça. Hop, et il va me falloir aussi, dans équipement plutôt, une lampe solaire. Alors, je vais réfléchir à savoir si je place bien ces choses, toutes ces choses. Alors, besoin de soins, donc tu vas aller te reposer tranquillement, jusqu'à ce que tu sois soigné. Est-ce que j'ai encore un docteur là? Parce que j'ai l'impression que personne s'en occupe. Kimi, est-ce que tu pourrais aller, pas te reposer, mais aider... c'est bon. Donc là, je me posais la question de savoir, est-ce que je pose bien ces instruments, tous ces instruments. On va déjà en poser un là. Par contre, j'ai fait une boulette, puisque c'est trop loin. Et mon électricité. Un raid, comme d'habitude. Alors, attendez, énergie. Voilà, on va faire comme ça. Et production. Donc là, ma lampe. Mais c'est pas une lampe comme ça, j'ai fait une erreur. Autant pour moi, j'ai fait une erreur, c'est pas cette lampe-là qu'il faut. J'étais en train de faire une lampe normale alors que c'est il me faut une lampe. Une lampe solaire. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Tac. Maintenant, production, on va pouvoir mettre les autres jardins hydroponiques qu'il me faut. Ok. Une capsule de cargo. D'accord. Il y a du tissu, ce qui peut être intéressant. Je regarde aussi le raid. Qui n'est plus là, d'ailleurs. Je sais pas du tout où il est. Ah bah, ils sont faits torcher par... par... les tourelles, donc c'est toujours aussi efficace les tourelles, c'est bien appréciable. Peut-être que je mettrai un petit banc de sable là, pour nous protéger nous, ou plutôt derrière comme ça, à voir. Alors j'ai remis, non je n'ai pas remis, pourquoi il fait si froid là? On n'a pas d'électricité, c'est pour ça, et donc pas d'électricité, pas de plantes. Pas de plantes médicinales non plus. Là, ça s'aggrave. Les choses s'aggravent vraiment. 14 degrés. Allez, j'ai pas assez d'électricité. Hein. C'est ça qui fait que je ne peux pas... je ne peux pas maintenir une chaleur. Je vais faire autre chose. Alors, c'est peut-être un peu secondaire, mais je vais essayer de détruire ça. Parce que ça me gâche un petit peu l'espace. Ok. Bon, bon, Don par contre s'en sort pas très bien là, de sa maladie, santé, grippe peu importante pour l'instant. Capsule de cargo encore une fois, de la viande, ça peut être intéressant. Elle est pas très loin en plus, toujours pas de manœuvre en vue. Ok, par contre là, le gros problème, ça va être quand même, de ne pas avoir de bouffe en avance. Alors, mauvaise humeur, j'ai pas eu le temps de voir qui était de mauvaise humeur. Donc là, il faudrait complètement prioriser l'arrivée d'électricité ici. Il faudrait aussi, du coup... récupérer d'autres composants. Donc là, avec ce filon-là, je crois que j'en avais vu aussi avec des morceaux de vaisseau. Est-ce qu'il y en a encore? Alors, on voit bien que c'est l'hiver. Et que là, les choses vont commencer à être de plus en plus compliquées pour nos colons. Surtout que je n'ai pas de tissu, je n'ai pas fait de vêtements d'hiver. Donc là... c'est la panade, c'est vraiment grosse difficulté. On va essayer de récupérer quand même ceci. Les habiller. Je pourrais aller aussi, ouais, les... on va dire les dépecer en quelque sorte. Pour récupérer leurs organes. Et je voudrais bien que tu fasses ça avant, en priorité. Tout ça, effondrement du toit.
Ah, c'était pas à toi, ça. C'était rien, ça. Voilà. Bon, parfait. Ok, donc là, ils ont fait ce qu'il fallait. On a récupéré la viande, ce qui va me laisser un petit peu de temps pour gérer tout ce qui ne va pas au niveau des cultures, parce que là c'est compliqué, sans chaleur, sans lumière. Donc on va essayer de se couvrir ce pépère. Regardez un petit peu ses aptitudes. Plantation, cuisine, animaux. Voilà, un dresseur. C'est pas ce que je préfère, mais bon, c'est pas ce qu'il me faut en fait. Alors, il y en a trois en plus dans ce raid, c'est-à-dire que je ne pourrais pas juste en tuer un et ils déguerpiront. Il faut vraiment tuer tous les personnages, enfin deux des personnages. Bon, c'est bon, ma tourelle a assez d'énergie pour. Allez, les enfants. Ok, un en moins. Ah, attendez, Madeline, vas-y, essaye de tirer sur celui-ci. Toi, Cassie, reste là, pour l'instant. On va laisser les personnes au corps à distance essayer de tuer ces gens. Et il faudrait que tu tires dessus, il faut que tu t'approches, je sais. Enfin, je répare aussi après. Voilà, c'est bon. Par contre, il faudrait tirer beaucoup mieux que ça. Hein. Là, j'ai l'impression que vous tirez plus sur les pierres. Donc. Voilà, très bien. Il s'en va, lui. C'est bon. Hop. Donc, ça, c'est fait. Est-ce qu'il est mort? Non, capturé. Est-ce que tu peux tuer celui-là, toi? Et essayer de le tuer, en tout cas. Ça ferait deux prisonniers. Ce serait bien, ça. Sans shooter ton collègue. Non, voilà, tu l'as pas tué. C'est pas grave. Merci quand même de l'effort que tu as fourni. Donc on va pouvoir les déshabiller. Et est-ce qu'on peut, au niveau de la santé... Alors je me rappelle plus exactement comment on faisait pour... il faut qu'ils soient encore vivants, je crois, pour les récupérer leurs organes. Hop, on a récupéré un beau chapeau. Ce qui va rendre heureux, j'en suis sûr, un de mes colons. Peut-être un petit chauffage dans la cellule. Parce que là, il va se geler les burnes. Pas dire autre chose. Et santé, on va essayer. Il est à combien au niveau du prisonnier? Ah, 99, c'est chaud quand même. Hein. C'est très chaud. Reçoit de la nourriture, on va faire dialogue amical pour l'instant. Puis on va le soigner, tant pis. Hein. C'est notre seule chance d'avoir une personne en plus. Une personne en plus dans notre colonie et vraiment on en a besoin. Ah, Don est revenu, il est... Ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. Non, il y a toujours la grippe. Bon. S'il se sent en forme pour faire quoi que ce soit, c'est cool. Bon, par contre, ouais, lui, il a une niche. Et là, je comprends pas, Cassie, elle est où? Il va falloir que tu finisses ça, ma louloute. Hein. Que là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ah oui, d'accord. Ça, c'est fait. Faudra que tu finisses ça, plutôt. Prioriser câble. Ah non, mais je sais pourquoi. C'est moi qui fais l'erreur, là. Énergie. Ah non, c'est bon. On va manger. Fais ce que t'as à faire. Et après, tu me fais tout ça. Voilà. Ça, c'est parfait. Donc on a de nouvelles cultures. Pommes de terre. Alors c'est obligé d'être des pommes de terre par contre. Non, c'est pas obligé d'être des pommes de terre. Il va falloir en faire en masse par contre. Hein. Voilà, culture, on va faire des plantes. T'as pas d'énergie toi? Hop. Au niveau de la recherche, toujours... ouais. Toujours en train de faire les lampes colorées. On va en faire d'autres, hein, des plans hydro. Production. Est-ce que ça va si je les fais là, là, là,
Non. Non. Voilà. Hop. 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 Et hop. Donc là, normalement, ça englobe tout. C'est nickel. Par contre, je suis pas sûr qu'il puisse passer partout. Ouais, c'est peut-être une erreur, en fait. On va peut-être annuler cela. Bon, on va voir. On va voir. On va faire un test. Et là, c'est très, très pénible. Donc, il va falloir aussi faire un peu plus de... Allez, 3 de composants, c'est chaud, quoi. Hop, hop, il va falloir que je trouve des composants. Alors, des composants, des composants. Je pourrais faire du fuel aussi. Ce serait pas plus bête de faire du fuel avec... on va essayer, on va faire un test. C'est que on va suivre votre conseil, on va faire une zone. Une zone assez grande. De bois. Mais sans structure, parce qu'on peut pas se permettre pour l'instant de faire de la structure. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme, comme plante? 30 jours, nutrition à 5. Nécessite un sol fertile à 30%. Nécessite de la lumière, infamité, non. Un arbre ou bois dur pousse lentement mais très résistant. Ouais, non, peut-être pas le chêne alors. Hop, on va faire le... Je crois que le peuplier ou le bouleau, c'est pas mal. Un arbre au bois mou pousse vite mais en grande partie inutilisable. Ouais, mais c'est pas grave, ça, c'est pour faire du bois de chauffage. Enfin, du bois de chauffage. De combustion plutôt. Humeur massacrante. Qui a une humeur massacrante? Donne. Pourquoi tu es de humeur massacrante? Plaisir. Alors. À manger de la pâte nutritive. D'accord. Dans le noir. Ah oui. On va peut-être faire quelque chose comme ça. Équipement. Et on va mettre une ici. Voilà. Comme ça, il ne sera pas dans le noir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour toi? Besoin. Pessimiste, petite faim, se sentait vraiment mal, pas du tout joyeux, environnement étroit, etc. etc. La maladie. Bon, notre ami Don est vraiment pas en bonne forme. Au niveau des geôliers, est-ce que j'ai bien... Ah, mais j'ai récupéré aussi un colon, j'avais pas fait gaffe. Donc, un colon, hop, oui, je l'ai secouru. Normal. Donc, tailleur, artisan, transporteur, on va mettre transporteur. Dresseur. On va enlever Cassie en tant que dresseur. Réparateur, fermier. Ouais, on pourrait mettre fermier. Mais on va mettre plutôt nettoyeur, dresseur. Ouais, c'est cool ça. Allez. Donc là, on a ce qu'il faut. Par contre, ouais, il faut vraiment... Qu'est-ce qu'il y a fou, Kimi, là? Faut vraiment que tu plantes, hein, ma grande. Elle peut pas? Je pense que j'ai fait une erreur en faisant autant de plans les uns à côté des autres. Parce que là, ouais, elle me répond plus du tout. Travail, Kimi, fermière. Bah si, c'est bon. Pourquoi ça veut pas cold season. D'accord, il me faut un chauffage. Alors déjà, on va essayer de fermer les structures. On va essayer de fermer ça. Et on va essayer de mettre un chauffage... Comment on va le mettre aussi? C'est ça le truc. Si je le mets comme ça. Si je les mets comme ça, ça va être bon ça. Donc, ça n'a pas besoin d'avoir une température particulière. Travail restant, esthétique, description, on s'en fout. Donc c'est bon. Là, donc on donne l'ordre de briser tout ça. On va mettre 3 pour l'instant. Et on va faire température. Comme ceci. Oui, je sais, c'est occupé, mais on va demander à notre mineur de... Oula, petit problème. De créer un gros trou dans ce mur. Alors, qui nous mine? Qui mine? Voilà. Madeline, c'est parti. Donc, c'est bon, on s'en occupe. Très bien. Parfait. Hop. Voilà.
C'est en priorité aussi grâce à la personne qui construit. Voilà, c'est bon. Faut que tu fasses les trois très rapidement. Non, ça. S'il te plaît. Ah mais c'est bon, ça marche, ça a l'air de marcher je pense. De faire trois plans à côté de l'autre, il y a beau pas avoir de chemin, ils s'en foutent. Par contre, faut vraiment que tu finisses ouais, en priorité tout ça. Ce qui veut dire qu'il va me manquer très probablement du minerai. Donc on va miner tout ça. On a un gros filon par ici. On en a aussi chez nous, mais on le conserve. Vous voyez qu'on en a dans la chambre, là, mais je vais le conserver au cas où j'ai quelques soucis. Alors par contre, les plantes. Les plantes, il va falloir faire... Je sais pas si t'as maintenu... Oui, c'est bon. T'as maintenu ce que je voulais. C'est assez difficile à récupérer le... Hop. On va en faire... Ouais, on va faire que ça, peut-être. On va en faire production. Tac. Voilà. Hop. Comme ça, ça sera... ce sera le troisième en médicinal. On va faire des patates. Ouais, on va faire que des patates pour le moment. Allez, go. Est-ce que ma lampe est bien... ouais, il est en cours. L'électricité nous manque. L'électricité nous manque. Faire d'autres éoliennes, je pense, à l'avenir. Il y a une l'éruption solaire est toujours en cours, je ne sais pas. Oui, ça, on s'en moque. Il faudrait aussi que j'arrive à faire le banc, ou en tout cas la radio, c'est ça. C'est ça la radio. Il faudrait que j'arrive à la construire. Ah, un party spot, ça peut être... Ah, c'est bien, ça. Il y a un spot où la partie would be center, use an area around the spot. On va faire ça. On va voir ce que ça donne, s'ils font une fête. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va... On va peut-être en terminer là-dessus. On a fait plein de choses... On s'en sort bien, j'ai un peu peur quand même, je vous avoue, au niveau des défenses. Et surtout au niveau de la bouffe, puisque là, pour le coup, ça commence à être compliqué. Ça se ramifie bien comme il faut. Alors, et lui? Lui, il n'a toujours pas son petit chauffage. Il est en train de vomir partout, en plus. Est-ce qu'au niveau des prisonniers, c'est toujours à 99, je pense qu'on aura du mal à le recruter, mais on verra ça. Donc la situation est pas vraiment bonne, elle n'est pas désespérée, mais ça pourrait être beaucoup mieux. J'ai quand même, avant de terminer, je vais demander plutôt à Cassie de finir le chauffage ici, et on va mettre un peu... Alors, deux chauffages dans la pièce pour que nos plantes poussent. Elle est partie où, Cassie? Non! Ça, oui, c'est bon. Allez, finis ça, s'il te plaît. Voilà. Va finir. C'est l'électricité qui va commencer vraiment à manquer. Bon, c'est en cours, tout ça, ça va se faire. On verra ça dans le prochain épisode. On va mettre une nouvelle recherche en cours. Ah, mine d'incendie, c'est bien ça, machinerie. Ouais, ça c'est pas pour tout de suite. On va faire le travail de la pierre, qui peut être intéressant. Quoique non, on va faire ça plutôt. Ça va débloquer les autres recherches apparemment. Et ça, ça va être intéressant. Donc on en termine là-dessus avec capsule de sauvetage, quelqu'un à sauver. Donc je vais demander à Kimi d'aller la récupérer. Secourir. Est-ce que les lits sont pleins? Non, ils ne sont pas pleins en plus, c'est cool. Donc voilà, on va en terminer là-dessus les amis.
On a bien avancé, c'est très très dense encore une fois cet épisode. On n'est pas sauvé, on est loin d'être sauvé, mais ça va se faire petit à petit. Et j'espère que on arrivera à faire encore un vaisseau avec plus de monde que dans la première saison qui s'échappera. Sur ce, eh bien, je vous dis portez-vous bien. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des petits pouces bleus. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, bye!